Et bonjour Internet, bonjour les amis Sikaz, bienvenue en vidéo gameplay découverte sur The Guild 3. The Guild 3 est un jeu développé par THQ Nordic et qui me plaît beaucoup, que j'avais pas encore présenté en vidéo, parce qu'il est en Early Access depuis, si je dis pas de bêtises, septembre 2017, donc ça commence à tarder un petit peu. Il a mis du temps à être peaufiné, et là ça y est, la version, la version 1.0 débarque, et franchement elle est hyper sympa. Le jeu déjà en traduction FR quasi complète, ça fait plaisir. The Guild 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept assez étonnant. Alors c'est quand même un jeu de niche, disons-le, qui peut plaire aux fans de RPG, aux fans de simulation de vie et aux fans de gestion. Si vous aimez tous ces styles-là, vous allez surkiffer tant les possibilités sont immenses. Donc voilà, c'est un jeu, pour faire très simple, dans lequel vous allez vivre et faire évoluer votre un personnage principal qui va avoir une famille avec le temps, faire vivre votre dynastie dans une époque médiévale, et il y aura toute une partie de gestion avec laquelle vous allez devoir gérer votre foyer, créer des entreprises, les gérer, faire des routes commerciales. Vous pouvez, être boucher, artisan, maçon, vous pouvez tout faire. Il va falloir aussi interagir avec les autres familles qui vivent dans la ville. Il y a une 14, je crois qu'il y a 15 villes à peu près jouables, c'est assez vénère. Bref, le temps de jeu est immense pour ceux qui aiment ce style-là. Vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant, lien en description, vous pouvez donc y jouer, l'Early Access, ça y est, c'est bon, on est sur un vrai jeu quasiment fini, et en plus la traduction FR est là. Donc je vous invite à me suivre en découverte de gameplay sur The Guild 3, un jeu qui peut plaire, je pense, à pas mal de monde. Et voilà les amis, nous sommes en jeu, donc on va faire ensemble les premiers pas, histoire de comprendre comment fonctionne ce titre magnifique, The Guild 3, comme on peut le voir, il y a une traduction en française, il y a encore quelques petits ratages, qui est raté dans la traduction en FR, mais bon, sinon c'est quand même de bonne facture. On a du multi, on a du 1 joueur. On va faire du 1 joueur, on va faire commencer une nouvelle partie, on va faire ça des débuts modestes, qui fait office de tutoriel. La petite ville de Weinengusen, dur à dire, ne se trouve pas loin de votre village natal, mais vous n'y êtes jamais allé. Vos tâches ménagères et professionnelles chez vos parents ne vous en laissent guère le loisir. Votre père y est allé quelques fois. Il vous a beaucoup parlé des aimables citoyens qui y vivent. Un jour, vous aimerez voir la ville de vos yeux, et peut-être même posséder une entreprise dans ses murs. Donc l'idée, ça va être de commencer une dynastie avec un personnage tout neuf de 18 ans qui débarque en ville. Regardez, on peut choisir donc le prénom, le nom de famille, on va rester Kaz, nom de famille on va mettre Mania, on peut choisir sa religion, il y a les catholiques, il y a les chrétiens protestants, et puis il y a les chrétiens séculiers qui vivent leur foi de manière plus neutre, donc on se mouille pas, on va rester dans cette classe-là des chrétiens séculiers, on n'est pas emmerdé. On voit un petit peu les stades de départ que j'ai, donc je suis un artisan rudimentaire, je suis un serf, je peux avoir donc une échoppe d'artisanat rudimentaire, je peux faire du fer, des dagues et des poignées d'armes rudimentaires. Je peux choisir un blason, donc ils sont... Il y en a moult et moult et moult. Si je me trouve un petit blason avec un oiseau, tiens, j'aime bien les oiseaux, moi. Dans les jeux médiévaux, j'aime bien faire des blasons avec des oiseaux. Bon, l'aigle, c'est surfait, mais voilà, il y en a un espèce d'aigle, là. Ouais, je me le garde sous la main. Ah, voilà, regardez, une espèce de canari dégueulasse. Je prends. On peut choisir, évidemment, de soit un monsieur, soit une madame. Reste son masculin, on peut choisir la voix. Yes. Bon, la musique du jeu passe un peu dessus. On peut choisir la corpulence de son perso. On va rester en standard. On peut modifier 2-3 attributs du visage. Les fringues de départ. Ah, là ça fait travailleur, comme j'aime. Couleur des cheveux, bon bah là il n'y a rien qui change. Et vous avez des points qui ont été mis de base. Force, dextérité, intel, perception, charisme, 3 partout. Je vais laisser comme ça, je vais pas commencer à foutre mes points un peu partout. Je vais rester en build, si on peut appeler ça comme ça, RPG de base. On est sur la version 1.0.0 pré-release, comme indiqué sur le tooltip. Donc vous avez des petites astuces qui s'affichent de manière régulière sur l'écran. Donc là, ça charge et on va débarquer en ville. Enfin, en ville, pour être plus précis, dans la banlieue, parce que la ville, si vous voulez, c'est ce qui se trouve derrière les remparts. Ah, bienvenue dans The Guild 3, un jeu allant simulation économique et RPG, qui se déroule à la fin du Moyen-Âge. Dans ce scénario historique, vous endossez le rôle d'un personnage. Cependant, ne vous contentez pas de faire partie de l'histoire, c'est à vous d'écrire l'histoire de votre réussite. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on va faire une famille. Votre personnage de départ, votre avatar, vieillira au cours de la partie. Vous devrez donc vous marier et avoir des enfants afin que vos héritiers puissent poursuivre votre partie. Voilà, donc il va falloir faire des enfants. Vous avez choisi le niveau de difficulté normal. Le déroulement de la partie sera relativement simple jusqu'à ce que vous atteigniez le rôle de citoyen.
Pour l'instant, on est serf. Vous avez décidé d'endosser le rôle d'un personnage relativement pauvre et inexpérimenté, arrivé aux portes de la ville depuis quelques jours seulement. Vous devrez travailler dur pour accéder au rang de citoyen, qui vous permettra de vivre et travailler dans la ville. Donc, voyez, nous, on est à l'extérieur de la ville, à l'extérieur des remparts, et la ville, c'est dans les remparts, ici. C'est le but. Votre enfance a été qu'une longue série de privations. Vos parents étaient fermiers, ils travaillaient sans relâche dans les champs de leur seigneur. Dans un village proche de la ville, vous aviez rarement assez à manger, encore plus rarement quelques pièces de cuivre pour vous acheter de nouveaux vêtements. Lorsque vous avez grandi, vous êtes juré que vos enfants auraient une vie meilleure que la vôtre. Les gens racontent que dans les villes libres, chacun est maître de sa destinée et peut gagner de l'argent avec un travail honnête ou malhonnête. Alors vous avez quitté la campagne pour la ville afin d'affronter votre destin. En fait, on vit un petit peu le rêve américain, mais au Moyen-Âge. Et comme indiqué, on peut travailler honnête ou malhonnête. Alors, on va prendre 30 secondes pour vérifier un petit peu l'interface, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette interface, on peut être un peu paumé. Mais je vous invite vraiment, si le jeu vous intéresse, à faire le tutoriel, cette quête tutoriel où on vous explique un peu tout. Donc en gros, on vous explique quoi? On vous explique les menus, les aides, etc., etc. Voici donc mon personnage, Kazamania. Hop là. Je vais essayer, voilà. Il est là. Il est devant sa maison, la ferme bouffée au mythe. Et là, vous voyez, c'est le village qui vit. Donc ce village-là, il y a de la vie. Les gens vivent leur vie, il y a des gens qui commercent, qui évoluent, des familles qui grandissent, qui disparaissent, des gens qui se marient. Donc c'est hyper vivant. J'ai baissé un petit peu le son du jeu, c'est vrai que la musique elle est balèze de ouf, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et l'idée, plus tard, quand on sera un artisan reconnu avec de la tunasse, l'idée ça serait de vivre dans, à l'intérieur de la ville. Voilà, c'est beaucoup plus prospère, c'est là que les gens d'un certain rang social habitent. Donc nous, on est à l'extérieur avec les manants, si vous voulez. Donc, première chose à faire, le livre de quête. On nous explique qu'on a un livre de quête, très bien, facile. Première quête, construisez un bâtiment de type entreprise. Je peux donc construire ma première entreprise. On va la construire à côté de ma cabane, ce sera juste à côté. Donc pour ce faire, j'ai l'onglet en bas à droite, construction. On va faire construire un nouveau bâtiment entreprise. Une maison d'artisanat rudimentaire. Et on va lui donner un nom, on va l'appeler la boutique. Ok, je confirme. Et je vais la mettre juste à côté de chez moi. Donc là, ça me coûte 1250 gold pour la faire construire. Et vous voyez que ma boutique, elle se construit tranquillement. Donc il faut bien différencier certaines choses. Vous avez votre chez vous, votre lieu de repos. Vous pouvez quand même faire quelques crafts. On verra ça ensemble. Je trouve encore la musique très forte, c'est dingue. Voilà. Et vous avez votre artisanat. A savoir que là, je n'ai qu'une entreprise, mais avec le temps, je vais pouvoir en construire d'autres. Je vais même pouvoir embaucher des ouvriers qui vont travailler dans mes entreprises, ainsi de suite. Vous avez le temps qui passe en haut. Vous voyez, on est au printemps 1400. On peut accélérer, etc. Et vous allez voir plein de choses, notamment ça en bas à gauche. Je ne sais pas si vous voyez près de ma souris, là. J'ai la bougie de vie. Ça représente mon temps de vie, au fait. Avec l'âge, cette bougie va diminuer jusqu'à s'éteindre et ça signifiera la mort de mon personnage principal. Donc, durant ce temps, là j'ai 18 ans, l'idée ça va être de rencontrer une dame, de faire des enfants pour avoir des héritiers. Voilà. Je viens de construire mon entreprise. Maintenant, il faut que je produise du fer. Et pour ce faire, il faut que je recrute un ouvrier et un transporteur. Donc regardez, je clique sur mon entreprise, ma boutique. À droite, je peux embaucher un transporteur. Donc on va dire embaucher un transporteur. On peut soit embaucher quelqu'un de la famille, mais j'ai personne, ou soit embaucher quelqu'un qui me coûte 150 gold par an. J'achète. Enfin, j'embauche. Donc là, j'ai un fameux Gustave qui est transporteur dans mon entreprise. Mais il me faut aussi un ouvrier pour transformer les choses. Donc lui, il transporte, il vient chercher les matières brutes, il va vendre les matières transformées, alors que mon ouvrier, lui, il va transformer des objets pour en faire de la valeur. Donc là, j'ai embauché de quoi travailler. Maintenant, il faut que je produise 3 fers. Donc plusieurs façons de le faire. Je clique ici. Ici, c'est les objets que je peux faire. Et j'ai du fer. Dans ma liste des ordres, j'en mets 3. Je confirme. Et là, vous voyez que mon cher Gerd, il est en train de fabriquer du fer. Alors Gerd, il a plein de statistiques avec des bonus.
s'il est bien reposé, s'il a bien mangé. Et lui, il va vendre, tu vois. 30% récupérer et livrer les marchandises. Donc lui, il construit, ça se stocke, et l'autre, il part vendre. Hop, là, je vais faire mes trois fers, ça sera fait. Donc en gros, Gerd, il reste dans la boutique qui transforme. On le voit le soir partir manger, dormir. Et vous voyez que mon personnage transporteur, il est là. Et il va au marché central pour acheter des ressources brutes et vendre des ressources. Ok, très bien. On sait comment construire des trucs. Maintenant, il faut que je vante mes exploits. Alors, vantez ces exploits. Vous avez votre personnage principal qui est là. Il peut faire plein d'interactions sociales. Alors, je vais le ramener ici, là, au milieu de la ville, par exemple. Hop, on verra mieux. Vous voyez qu'il y a plein d'interactions. Urgence, besoin, agression, protection, louche, etc., etc. On a un truc qui s'appelle... vanter vos exploits. Donc, en gros, en faisant ça, mon bonhomme, il se vante auprès des gens qui passent. Alors, vous voyez que c'est vivant. Attendez, je passe 30 secondes. Il y a plein de monde, hein. Et on peut mettre sa souris sur les gens, on voit qu'il y a Roland, il y a des transporteurs, il y a des mecs qui courent partout, qui bossent, il y a Sylvain, il y a Alfred qui est un garde. C'est hyper vivant. Regardez, il y a des gens qui discutent. Et dans tout ce beau monde, il y a peut-être ma future femme. Donc là, tout le monde est en train de discuter, de s'amuser, de travailler. Vous trouvez même des... là, il me semble, si pas de bêtises. Non, ça c'est un brigand. Bon, ça c'est une voleuse. Il y a des gardes et puis il y a aussi des... Ah, je vais y arriver, des espèces de prêtres qui prient dans les rues, etc. Donc vous voyez que mon personnage Kazamania, il est en train de se vanter et là, le temps d'action, il est là, en haut à gauche. Donc le fait de me vanter, à quoi ça sert? Ça sert à changer mon attitude. Vous savez déjà à quel point vous êtes merveilleux, mais il est grand temps que le reste du monde le sache également. Utilisez cette action pour augmenter votre influence dans la ville. Et voilà, et ça me fait gagner aussi 5 points d'influence. Et là, vous voyez que les gens, ils passent, ils se foutent un peu de ma gueule. Et l'intérêt, c'est que ça me fait gagner de l'influence. Et l'influence est une ressource qui va me permettre de faire plein d'actions. Hop, j'ai gagné de l'XP et de l'influence. Il faut que j'aille me vanter 3 fois. Donc j'allais me vanter 3 fois. J'allais me vanter ici, je vois qu'il y a du monde. Good. Je me vante. Will do. Et pendant que je me vante, on peut vérifier mon entreprise. Là, ça ne bosse plus, on est d'accord. Alors, soit je mets des ordres tout seul, ce qui est vite relou. Soit je peux faire ça. Production automatisée, les ouvriers essayeront de déterminer eux-mêmes ce qu'il vaut mieux produire. Je fais ça et là je fais confiance à mes ouvriers. Mes ouvriers vont produire des objets suivant les demandes, il y a les besoins tout simplement dans la ville. Vous voyez qu'ils gagnent aussi de l'XP. Gustave, il a vient de passer un niveau, il était niveau 1, il est passé niveau 2. Donc Gustave, on peut l'upgrader. Alors Gustave, attention, ne fait pas partie de ma famille, c'est un... employé. Il est niveau 2, on peut lui mettre des attributs. On peut même les équiper, comme vous pouvez voir. Donc là, il a dans sa poche 17 lin. Alors, l'idée, c'est que lui, il est transporteur. Donc on va voir qu'est-ce qui pourrait être utile pour un transporteur comme truc. La santé, point de santé, productivité, produire des biens. Ouais. Fertilité, c'est pour la descendance. Furtivité, pour aller à la... furtif, quoi. Puissance, c'est le corps à corps. Bonus de négociation, ça peut être pas mal. La négociation permet au personnage d'obtenir un meilleur prix lorsqu'il achète et vend des biens sur le marché. Ça peut être bien. Intelligence, charisme, armure, bon, on s'en fout. Résistance aux dégâts, on s'en fout. Dégâts, on s'en fout. Défense, réputation. Non, et ben on va lui monter son intelligence et son charisme à cet homme-là pour lui monter son bonus de négociation. Alors, charisme, il a que 1, hop, on lui met un point. Voilà. Donc lui, il a upgradé, on lui met des points. Est-ce que mon Kazamania a fini de se vanter? Oui, il faut qu'ils entrent encore une fois. Donc on va retourner vers chez moi et on va se vanter juste devant la boutique. Hop, je vais me vanter par là. Donc vraiment, ce tuto, faites-le, il est fort utile. Alors vous voyez que ça vit. Et on va commencer à débloquer pas mal de petites fenêtres. On peut regarder un petit peu les fenêtres, notamment. J'ai l'arme des talents. Alors l'arme des talents, c'est tout simple. Vous voyez, avec mon argent et mon influence, je peux apprendre des trucs. Et à gauche, j'ai les grades, la caste sociale dans laquelle je suis. Donc je suis chez les roturiers, je suis serf actuellement. Je peux passer roturier pour 1000 pièces d'or, acheter un titre. Ensuite, ce sera franc tenancier, habitant. Ensuite, c'est citoyen, citoyen libre, patricien, noble, châtelain, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voyez que mon arme de talent me permet donc de bloquer pas mal de choses. On va attendre un petit peu avant
de consommer mes points. Ici, j'ai mon livre comptable. Alors ça, c'est vraiment important. C'est ce qui permet, sur une période donnée, de voir un petit peu quelles sont mes recettes, mes dépenses, et ce que je gagne et ce que je gagne pas. Donc en gros, si je regarde mon entreprise, la boutique, elle m'a coûté 2000. Et j'ai réussi à dégager pour le moment que 128 de recettes. Donc je suis à moins 1900. Mais ça, c'est le temps que ça se mette en place. Vous avez plein de statistiques. Si vous aimez les stats, les jeux de gestion, vous allez kiffer. Ah, ça, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un a dû se faire voler ou quoi? Elle était toute brumeuse. Alors, je me suis inventé, c'est bon. Maintenant, si vous entrez dans votre domicile, vous pouvez observer le travail de vos personnages et accéder à certains menus. Donc, regardez, je prends mon personnage, je l'envoie à la maison. Ok? Là, j'ai la vue interne de la maison. Donc en gros, je peux sortir de l'extérieur, vue intérieure, je peux lui faire faire des trucs ici. C'est mon chez moi, accomplissez l'action, envoyez à la maison. Ah bah oui, attends. Here I am. Sors de la maison. Here I am. Certainly. Voilà, sors de la maison. Rentre dans la maison. Non, c'est pas ça. Yes, sors de la maison. Envoyez à la maison. Sir. Là, ça me valide ma quête. Je peux construire des trucs chez moi. Alors vous voyez que là c'est mon chez moi. C'est ma ferme miteuse. C'est pas ouf. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Je peux faire travailler mon personnage. Donc on va faire ça. La quête demande de faire un gant de toilette. Un gant de toilette. Et de faire deux bouquets de fleurs. Donc ça d'ailleurs ça va être utile pour trouver l'amour notamment. Il faut sentir bon. Et il n'y a pas de axe ici. Et là, je recrute mon Kaz. Et c'est lui qui va travailler. Voilà. Donc là, je suis en train de fabriquer les items que la quête me demande de faire. Je gagne des bonus, de l'XP, etc. Je vois que même mon personnage est upgradé. Donc on va l'upgrader. On va essayer de lui faire monter son charisme. Ok. Pour les avantages en société, elle est un petit point en charisme. Donc là, je construis ce qu'il me demande de faire. On peut faire beaucoup d'autres choses chez soi. On peut aller dormir, on peut regarder de l'arbre généalogique. Il y a l'établi, il y a le livre comptable. On peut faire plein de trucs. J'ai un employé qui a levelé. Vas-y, c'est parti. C'est mon ouvrier. Et donc lui, la productivité, on va lui monter, c'est dextérité et intelligence. Dextérité, il a 3. Intelligence, il a 2. On va monter l'intel. Voilà. Alors, est-ce que mon Kaz, il a construit ce que je lui ai demandé de construire? Oui, accomplissez l'action suivante, gant de toilette. Donc maintenant, je suis équipé d'un gant de toilette. Je sais pas comment on regarde le... Je suis désœuvré, ouais, je sais. Le menu du bâtiment, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est le menu de mon personnage. Je sais pas trop où je vois mon menu. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais me gant de toiletter. Je peux faire ça? Normalement, oui. Certainly. Attendez. Normalement, il semble que j'avais une action grande toilette. Romance. C'est I. Et j'ai pas mon grande toilette là. Enfin, mon grande toilette, il est dans la maison. Donc je vais le glisser dans la poche de mon perso, mais il faut que mon perso il soit à la maison. Good. Regardez, je prends ça. Hop, j'ai un gant de toilette tout neuf. Je le mets dans mon sac. Je vais même prendre aussi mes bouquets de fleurs, ça peut servir. Je sors d'ici. Enfin, je sors même pas, regardez. Je vais dans mon sac et là, je fais gant de toilette. Donc là, je suis en train de me laver. Je fais une petite toilette rapide si vous pouvez comprendre le truc. Je sens le parfum, j'ai plus de charisme et j'ai gagné de l'expérience. Il est temps de trouver l'amour. Alors pour ce faire, on a plusieurs choses possibles. Alors, pour trouver l'amour dans le... au Moyen-Âge, ça avait l'air d'être plutôt simple. Dans le sens où il suffit de faire ça, romance, se lancer dans une romance, et là j'ai la liste des citoyennes célibataires. Il y a Alida qui est là. Elle a 22 ans. C'est une citoyenne, donc elle a quand même un rang social plus intéressant que le mien. Nous avons Dorothée, elle a 15 ans. Qui est une roturière comme moi. Nous avons Bertha qui a 30 ans. Bertha, elle est roturière aussi. 33, 30, 40, 40, 17 ans. Une châtelaine. Ah. Châtelaine. Mais bon.
elle m'intéresse pas trop. Anne-Laure, 24 ans, citoyenne. Sylvia, 18 ans, voilà. Allez, on va tenter notre coup avec Sylvia, 18 ans. Elle a mon âge, elle a le même rang social que moi. Sylvia, je clique, je fais confirmer. Et là, c'est parti, je pars en mode chasse. Et Sylvia, vous voyez, elle est là. Elle se promène. Alors, vous voyez que les gens bossent à côté. Et là, j'ai des possibilités de discussion. Je voudrais vous demander la permission de vous aimer librement et de faire tout ce que vous me demanderez. Vous voyez qu'à l'époque, ça draguait sec. S'il vous plaît, aimez-moi autant que je vous aime. Ok, donc ça, c'est positif. La dame, elle est prête. Donc, on commence une romance avec Sylvia. Il faut que je lui fasse deux compliments et que je lui offre deux bouquets de fleurs. On va essayer. Donc, je prends mon case. Romance. Faire un compliment à Sylvia. Je confirme. Là, faut pas se rater. 80%, vous êtes si belle et si cultivée. Vous distinguez toutes les autres, vous avez tout à fait raison, merci. C'est dans la poche, on va enchaîner. On peut lui offrir un petit cadeau, me semble. Voilà, on va lui offrir un bouquet de fleurs. Voilà. Acceptez ce bouquet. C'est parfait. J'enchaîne, là je suis chaud. Quasi la fin. Faire un compliment, on recommence. On va tenter... Oh non, vous êtes ma pierre précieuse, bien sûr que ça marche. Vos paroles me flattent, c'est dans la poche. Et qu'est-ce que je fasse? Encore un bouquet de fleurs, on est bon. Allez, un bouquet de fleurs. Alors, j'espère que mes ouvriers pensent à la bosse. Ah, je suis en cooldown sur le bouquet de fleurs, donc on va attendre. On va regarder un petit peu la ferme, est-ce que ça travaille? Qu'est-ce que ça... Liste d'ordre, c'est bien vide. Je suis en production manuelle. C'est parce que je suis chez moi, je suis pas dans ma boutique. La boutique, elle est là. On va voir un petit peu. Boutique, ça dit quoi? Je suis en production automatisée. Ouais. Livre comptable. Ah. Je commence à faire de la recette. C'est bon. On va être bientôt, je l'espère, dans le positif. La nuit va tomber. Printemps 1400. Je sais plus si une nuit, ça vaut une année. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Je pense que là, ça sera peut-être au lit. Il va faire tout noir. 22h. Ouais, 22h et tout qui se ferme. On va essayer de l'offrir un bouquet quand même une dernière fois avant de dodo. Allez, juste là. C'est parti. It's in the pocket, c'est parfait. Faire une demande en mariage. Bon, bah je crois que c'est parti. Hein. Alors, demande en mariage, c'est là, il me semble. Épouser, non. Faire une demande en mariage. On a travaillé le terrain, là c'était hyper rapide. 80 déposits. Voulez-vous être ma femme? Ah, attention, ma tendre amie, mon cœur est sur le point d'exploser. Vous êtes tout pour moi, mais je peux passer le reste de mes jours avec vous. Voulez-vous m'épouser? Bien sûr que je veux vous épouser. Oh, c'est bon ça. Maintenant, il faut que je passe à l'acte. Là, j'ai fait la demande, mais maintenant, il faut qu'on passe à l'acte. C'est ça, épouser. Et on a le choix. Vous voulez choisir votre réplique? Commençons le mariage religieux ou se marier instantanément? Décorer les lieux, les cartons, on s'en fout. Allez, on se marie comme ça, un petit peu à la va-vite. Mon amour, je veux rendre les choses officielles et vous épouser, mais je ne veux pas d'une grande cérémonie à l'église. Échangeons nos vœux ici, maintenant. Et c'est parti. Je paye 5 réputations. Par cette alliance, moi, Kazmania, vous, Sylvia, comme épouse. Par cette alliance, moi, Sylvia, vous prends, vous, Kazmania, comme époux. Et voilà, ça y est. C'est fait? Non. Oh ouais. Et ben voilà, c'est fait. Bon. On a épousé Sylvia. Très bien. On va se coucher. On voyait la maison. Est-ce qu'il est fatigué d'ailleurs? Je ne sais même pas. Mais voilà. Prochaine étape. Désormais, il est temps d'engendrer un héritier. On va essayer de faire ça. Dynastie, entreprise, avoir une descendance. Bah, c'est parti. Dynastie et entreprise. Baiser conjugal. Bah, on va faire un bisou quand même avant toute chose, que c'est bien beau tout ça, mais là c'est un petit peu à la vie vite si on fait. Voilà, un petit baiser conjugal, c'est très bien mon gars. Voilà, fertilité plus. Et on va tester avoir une descendance. Attends, on va danser. Oh putain, la danse, Harley Punk. Eh, imaginez quand même. Thank you.
T'étais jeune, tu draguais. Été 1400, on vient de passer un an. Donc je suis passé de 18 à 19 ans. Alors attention quand même. Bon, j'ai le temps. Après, voilà, c'est vrai qu'à l'époque, Moyen-Âge, fertilité, tout ça, c'était un peu compliqué. Allez, avoir une descendance, on va donc essayer. Here I am. Elle est prête. Yes. On confirme. Donc, ça va où? Ça va dans la chambre. Ouais, ça y va, ça y va. Ça grimpe dans le lit. Et voilà. C'est en cours de travail. I can't help right now. Donc, il y a une barre d'action. On va les laisser faire. On va même accélérer le temps, on peut. On est en x4. On va les laisser travailler, là, faire la petite affaire. Et on va voir si madame va être enceinte. Est-ce qu'on va réussir à engendrer une grossesse? Il y a une grossesse en cours. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça, c'est fait, ça. Ajoutez votre conjointe à votre groupe de joueurs. Alors, ça, c'est simple. Je prends ma conjointe. Je l'ajoute ici. Et elle est dans mon groupe de joueurs. Voilà, c'est mon bras droit, donc elle fait partie de la famille. Nous sommes toujours désœuvrés, mais on est ensemble. Acquérir le titre de franc-tenancier. Donc pour ce faire, on va essayer de... c'était où ça? Je l'avais vu. D'évoluer. Là, je suis roturier. J'achète mon titre pour 1000 balles. Franc-tenancier, ça coûte 1005. Et vous voyez que je débloque plein de trucs, hein. Possible. Count your blessings. Et voilà, nous sommes francs tenanciers. No pain, no gain. Toute la famille. At your service. Donc ça c'est cool. Votre boutique vous permet d'utiliser l'action motive de vos ouvriers pour augmenter leur productivité. Your tireless efforts have earned you. Alors j'ai envoyé ma femme, tiens. Yeoman. Voilà, sortie du bâtiment. J'ai envoyé ma femme motiver les ouvriers. Donc je prends ma femme. Ça doit être dans dynastie entreprise. Promouvoir votre entreprise, motiver vos ouvriers. Donc c'est parti, elle y va. Attends. Là, ça sent l'arnaque. Là. Vous êtes fiancé et prêt à la nomination, tu vois. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, dégage, toi. Ah, elle mendie. Chiromancie. Vous n'avez aucune idée comment lire. Ah oui, d'accord, on me lit l'avenir, mais on. Ouais, je me suis fait carotte, quoi. Et donc ma femme est en train de motiver les troupes. Voilà. Vous voyez, il y a un petit cooldown. Donc toutes ces actions vont permettre d'optimiser mes rendements et de faire en sorte d'avoir une famille prospère avec le temps. Alors vous n'êtes pas obligé d'embaucher des ouvriers, vous pouvez même avoir votre personnage qui travaille lui tout seul comme un grand. Regardez un petit peu le livre de comptable actuellement. Ah ouais, c'est bon, ça va le faire. Hop. Quelle est la suite? Accomplissez Alexis. Ah, faut que je les motive deux fois. Alors je vais motiver maintenant avec mon personnage principal, Casavania. Qui est ici, motiver les ouvriers, très bien. Et donc vous avez plein d'actions possibles. Urgence, besoin, dormir, éteindre le feu, on peut attaquer quelqu'un, on peut même assassiner quelqu'un, on peut mendier, on va éviter quand même. On peut se relancer dans une danse interdite. Hein. Danse interdite, c'est un peu dégueu. Il y a plein de trucs, on peut s'entraîner, développer l'intelligence, on peut rejoindre un monastère. Ah ouais, d'accord. En gros, voilà. Ça retire ton personnage du jeu. Il se retire du jeu. C'est ouf. Genre, t'as fait des gosses et tout. Tu veux changer. Voilà. Bon, bah les amis. On vient de se faire un petit demi-heure de jeu ensemble. Je vous ai montré un petit peu le principe de ce titre. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est hyper complet. Et ça, clairement, c'est le genre de jeu. Mais vous pouvez passer des heures et des heures. Et vous retrouver au fil du temps avec un arbre généalogique géant. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 générations. Franchement, ça a de la gueule, c'est sympa. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Kaz, lien du jeu en description. Bye tout le monde, à la prochaine.